à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau top 5 et il s'agira de la partie 2 du top 5 des adaptations qui font lire les livres dont je vous ai proposé la partie 1. Je vous le mettrai bien sûr dans le petit i, je vous l'avais proposé je crois il y a un mois de ça, un truc comme ça. Donc cette fois je vais vous faire la partie 2 puisque je vais vous parler des adaptations qui donnent envie de lire les livres dont j'ai toujours les livres dans ma palle alors que la dernière fois c'était des livres que j'avais lus. Donc on commence tout de suite avec la cinquième position et en cinquième position j'ai décidé de mettre Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. J'ai décidé de mettre ce livre puisque j'avais adoré le film, je vous mettrai l'affiche ici avec Leonardo DiCaprio, j'avais adoré le film, je ne pensais pas d'ailleurs aimer, je m'étais lancée un peu dans le film sans grande conviction et grosse surprise, très agréable surprise. Et forcément ensuite je me suis procuré le livre, voilà, je crois que je l'ai depuis 2014 et depuis je ne l'ai toujours pas sorti, voilà ça sera le cas donc pour tous les livres que vous verrez ici hein. J'ai très peur de le lire et d'être déçue, c'est un classique que beaucoup de gens ont déjà lu mais qui me fait un petit peu peur donc voilà je vous en dirai bien sûr des nouvelles dès que ce sera lu. Au niveau de l'histoire je vais quand même vous faire un petit topo, on va suivre Gatsby dans les années 20 donc c'est après la grande guerre et on va le suivre cet homme qui est absolument très très riche, il fait de nombreuses fêtes chez lui, on est vraiment dans l'extravagance, l'opulence etc. Mais voilà, est-ce que cet homme est pour autant heureux? On ne sait pas. Et un jour, il va faire la connaissance de son voisin. Je ne sais plus son nom. Son voisin qui va donc petit à petit venir aussi participer aux fêtes. Et faire connaissance avec Gatsby, se rendre compte que, ben, voilà, justement, Gatsby n'est peut-être pas aussi heureux qu'on le croirait. Voilà donc pour l'histoire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre et s'il vaut le coup. Parce que voilà, il traîne encore dans ma palle. En quatrième position, j'ai décidé de mettre un livre dont je vous ai beaucoup parlé récemment, Entretien avec un vampire, d'Anne Rice. Donc voilà, toujours la fille du film ici. Vous savez que je m'étais mis le film pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais même mis le livre pour la pile à lire. Mais le livre n'est toujours pas sorti. Bon, je n'ai pas vu le film, mais je crois que je l'ai déjà assez vu. Voilà, j'ai vraiment peur d'être déçue. Au niveau de l'histoire, on suit Louis, donc qui est un vampire. Il va un jour rencontrer un journaliste, donc je crois que c'est à l'époque actuelle. Un journaliste qui, du coup, va vouloir l'interviewer et savoir un petit peu son histoire. Louis va d'ailleurs donc lui raconter son histoire d'humain, puis sa transformation en vampire et ce qu'il a vécu en tant que vampire. C'est donc cela qu'on va suivre là-dedans et franchement c'était passionnant en film et j'ai peur de ne pas retrouver cette ambiance très particulière. Si vous avez vu le film vous savez de quoi je parle et j'ai peur voilà qu'en livre ça soit pas tout à fait pareil. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de longueur et que c'était un petit peu laborieux comme lecture, donc voilà, je ne l'ai toujours pas sorti. Lui c'est pareil, voilà, 2014, ça fait un moment que je l'ai, j'ai même une des vieilles éditions. Mais j'avais envie d'avoir la version avec l'acteur des films, voilà, comme on peut voir aussi ici. Donc voilà, je ne sais pas encore quand je vais le sortir, mais je tente, comme vous pouvez le voir, je tente régulièrement de le sortir et je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. La troisième position, donc là j'ai décidé de mettre un Nicholas Sparks. Si vous ne connaissez pas Nicholas Sparks, c'est un auteur qui fait beaucoup de livres, donc c'est principalement des romans si je dis pas de bêtises, et aussi des livres magnifiques et des films absolument magnifiques, puisque voilà ça va toujours avec. Je crois qu'il a, je suis pas sûre, mais je crois qu'il a un regard sur les films, puisque certains sont vraiment hyper fidèle, et j'ai décidé de vous montrer, parce que la plupart des films je les ai vus, j'ai lu certains livres qu'elle a avec mais pas tous, donc il y a celui-ci notamment, La dernière chanson de Nicholas Sparks, édition Michel Lafon, avec cette magnifique édition que je voulais absolument avoir. Voilà, je trouve que les éditions grand format sont magnifiques. Vous aurez aussi l'affiche ici. C'est le premier Nicholas Sparks que j'ai découvert en film. Et comment vous dire que c'était un coup de cœur énorme. Je sais que certains sont rebutés par l'actrice Miley Cyrus, mais moi je vous conseille vraiment ce film parce qu'il est très touchant. Et même si vous n'aimez pas l'actrice, je pense que l'histoire pourra quand même résonner en vous, si je peux dire ça comme ça. C'est très touchant, on parle de la famille, on parle d'amour, on parle de maladie, on parle de plein de choses. Et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir quand même ce livre, mais encore une fois, j'ai peur d'être déçue, puisque rien que le début, j'ai vu que c'était... je pensais qu'on suivrait le point de vue de Ronnie, puisque c'est Ronnie qui a 17 ans que l'on suit dans le film,
Et en fait, on va suivre plein de points de vue différents dans ce livre. Donc ça me fait un petit peu peur, parce que voilà, la différence avec le film, parfois, c'est pas toujours ça. Mais en même temps, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me lance, parce que jusqu'à maintenant, avec Nicolas Sparks, ça s'est toujours bien passé entre le film et les livres. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me motiver en commentaire si vous avez lu ce livre, parce que voilà, et puis c'est quand même une bonne bricasse. Voilà, donc je passe maintenant à la deuxième position. Cette fois, on va parler plutôt série TV, puisque je vous montre Les Magiciens de Lev Grossman, donc la série télé que dont j'ai vu les, je crois que j'ai dû voir les deux, trois premières saisons, je ne sais plus, je me suis arrêtée en cours. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de poursuivre, mais la série est absolument géniale. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. Et en regardant la série, j'ai fini par savoir qu'il y avait des livres. Donc il y a une trilogie, des grosses bricasses. C'est aux éditions, j'ai oublié de vous le dire, je ne sais même pas l'édition, je crois que c'est La Talente. Très dur à trouver hein, ces livres d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont prévu de les rééditer, mais c'était un petit peu... Voilà, j'ai dû l'acheter d'occasion, histoire de le trouver. Au niveau de l'histoire, on va suivre Quentin qui a 17 ans. Il vit à Brooklyn et c'est le genre de personne qui ne se sent pas très à l'aise dans son monde, qui a l'impression de, voilà, d'être un peu à côté de la plaque. Il s'ennuie, il ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Mais bon, pour autant, bah, il continue de vivre quand même, d'avancer, d'aller à l'école, etc. Jusqu'au jour où il est convoqué pour passer un test un peu particulier, test qu'il va réussir, et ce test va lui permettre d'entrer à l'académie, alors je crois que c'est, non, la fac, voilà, la fac de Breakbills, qui est une école très particulière, puisqu'il s'agit d'une école de magiciens. Donc voilà, ça fait très Harry Potter sur le, sur le début, je trouve, mais ça n'a, comment dire, on en sort très vite, et surtout, ce que j'ai apprécié, en tout cas ce que j'adore dans la série, c'est qu'il y a plein de références à plein d'univers différents. Il y a des références à Narnia, il y a des références à Harry Potter, il y a plein de références au monde magique et aux livres. Donc allez-y foncer, surtout qu'il y a justement un livre que Quentin adore qui s'appelle Les Chroniques de Fillory, et il va se rendre compte que bah, peut-être que ce livre serait éventuellement pas si fictionnel que ça. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie au moins de découvrir la série, parce que la série est vraiment géniale. Alors il y a parfois des passages un peu gore, je préfère vous prévenir. Je me souviens encore d'une scène de, je crois que c'est la saison 2 ou saison 3, je ne sais plus, mais certaines scènes sont... C'est un peu cru parfois, mais au niveau magie, etc., c'est juste magnifique. Niveau décor et histoire, univers, je ne peux que vous le conseiller. Et forcément, la grosse bricasse et la peur, encore une fois, d'être déçu et de ne pas, et que ce ne soit pas, pardon, à la hauteur de la série. Voilà, donc je vais attendre un peu. Je crois que les avis sont pas en plus très très bons sur Libradic. Donc voilà, je vais attendre un peu, peut-être poursuivre la série. Et enfin, je me lancerai. Bien sûr, vous en aurez des nouvelles dès que ce sera lu. Et je termine. Je termine, alors là c'est pareil, je vous en ai parlé récemment, mais je vous avais pas montré le livre, je crois. Il s'agit de l'adaptation... Alors, il s'agit du livre dont l'adaptation en film est John Carter. Voilà, je ne vais pas vous refaire un topo, je vous mettrai dans le petit éventuellement mon bilan du Pumpkin Legend Challenge, où j'en parle en long, en large et en travers, et où je vous le conseille énormément. J'en profite pour vous le redire d'ailleurs, si vous ne connaissez pas. Il s'agit du donc Le Cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Là, j'ai choisi de prendre la version intégrale, c'est aux éditions Omnibus. Et ça regroupe 5 tomes, donc La Princesse de Mars, Les Dieux de Mars, Le Guerrier de Mars, Tu vis Vierge de Mars et Échec sur Mars. Donc John Carter, c'est l'adaptation du premier tome, La Princesse de Mars. Et bah, oh, vous le savez, hein, j'ai adoré le film. Et forcément, voilà, encore une fois, j'ai peur de lire le livre. Surtout, donc il y a plusieurs tomes, et autant j'ai adoré, je pense... que le premier tome de La Princesse de Mars devrait me plaire, parce que j'ai lu, en tout cas dans les commentaires libradiques, que c'était très très fidèle au livre, donc ça, ça me rassure. Mais c'est pour la suite, quoi. J'ai peur forcément de ne pas aimer autant la suite que ce premier tome qui était pour moi parfait de A à Z, hein, forcément. Et pour l'histoire, je vous refais rapidement un petit pitch. On va suivre John Carter. Donc c'est bien, voilà, un ancien officier sudiste, je pense que je l'ai dit la dernière fois comme bêtise, mais bref, qui donc a vécu la guerre, il a vécu un drame familial aussi. Il en a marre de la vie jusqu'au jour où il apprend qu'il y a un trésor caché au fin fond des montagnes. Donc il va partir à la recherche de ce trésor et il va trouver une caverne, la caverne où il y aurait ce fameux trésor, sauf que dans cette caverne, et ben il va se passer quelque chose qui va le
téléporter directement sur la planète Mars. Donc dans un monde totalement inconnu pour lui, où il va découvrir plein de races différentes, donc des hommes, des... Enfin, c'est pas vraiment des hommes, mais voilà, je vais pas vous en dire trop non plus. Différentes créatures aussi, et surtout il va tomber sur une princesse, Dijatoris, qui rencontre plein de problèmes politiques, etc. Et pour sauver la planète Mars, donc John Carter va... essayer de l'aider, parce qu'au départ il voulait juste rentrer chez lui, tout faire pour rentrer chez lui, mais forcément petit à petit en rencontrant des gens sur place, il va s'attacher à eux et vouloir les aider. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur ce livre, il est très peu connu, j'en ai, enfin je crois que je ne l'ai jamais vu sur Instagram, c'est pour vous dire. C'est un livre aussi qui date, donc là voilà, il fait 960 pages hein, celui-là, et je crois que, alors je vais vous dire ça... Ah, 1988, donc apparemment c'est de la très bonne science-fiction, mais ça peut être un petit peu, au niveau de l'écriture, il paraît que c'est un peu, comment dire, ouais, vieillot, je sais pas si le mot est adapté, mais voilà, que ça peut être un peu dépassé comme style en tout cas, donc ça me rebute un peu aussi, donc voilà, je vais arrêter de vous dire ça, mais vous le saurez quand je l'aurai lu, un jour je le sortirai, je ne sais pas encore quand, mais voilà, je me lancerai et vous serez les premiers au courant. Voilà, c'en est donc tout pour ce top 5. J'espère que je ne me suis pas trop répétée. J'ai l'impression que si, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. J'espère vous avoir donné envie éventuellement de tester des films ou de lire les livres qui vont avec et de vous avoir fait découvrir des choses, notamment ça. Et ça, à mon avis, je pense que c'est très peu connu. Enfin, du moins ça en livre, ça a l'air très peu connu aussi. Comme celui-là. C'en est donc tout pour ce top 5. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut !